Bienvenue Dans dans l'antre l'entre du du paranormal, paranormal, épisode 5. 5. Eh oui, donc comme promis, nous sortons l'épisode 5. Nous sommes aujourd'hui dans un cimetière qui s'appelait le cimetière des Pestiférés, où il y a eu la peste noire en 1630. Bon, on ne connaît pas du tout l'endroit, Brice et moi. Mais en arrivant déjà sur le site, on a ressenti vraiment déjà Une ambiance des particulière, je ambiances dirais. assez particulières. Tout ce que vous verrez ici est authentique. On ne cherche pas quoi que ce soit. En tout cas, on va vous faire visiter le lieu. On est ici aujourd'hui et on espère que cet épisode vous plaira. On vous remercie pour ceux qui nous ont rejoints, qui naturellement partagent notre travail. Et qui arrive tous les jours. Et en plus, tous les jours, qui voilà, nous font des coucous, nous partagent leurs petites images. Et aussi, n'hésitez pas à partager vous-même Vos impressions et tout. vos impressions, mais même vos vécus, ce qui vous est arrivé. N'hésitez pas à nous donner des images sur le site Facebook de ce qui vous est arrivé. Ça nous plaît, on est là pour ça justement, pour partager tout ça. On est une grande famille, vous devez être là avec nous, on est là avec vous. Et je pense que voilà. Tous vos témoignages seront bons Tous pour vos nous. témoignages, au contraire, ben, rien de meilleur pour nous. Parce que justement, encore une fois, nous on n'affirme rien, mais on sait très bien qu'il y a quelque chose dans l'au-delà et que le paranormal, c'est un mot assez précaire, puisque en fait, scientifiquement, c'est pas prouvé, mais on sait que nous, l'ayant vécu, ça existe, quelque chose est au-delà. Donc voilà. Merci. N'hésitez pas à partager, à liker ou même à disliker notre page. C'est pas un problème. Voilà. Quelque chose à rajouter, mon petit Brice? On vous souhaite un bon visionnage surtout. Eh bien, bon visionnage à vous. C'est parti pour l'épisode 5 de l'entre du Paranormal. paranormal dans le cimetière Des pestiférés. des Pestiférés. Nous sommes sur le chemin qui mène au sentier du cimetière des Pestiférés. Vous voyez devant moi qui est Brice, qui est là. Et voilà. Donc, la stèle des Pestiférés. Voilà, à 200 mètres. Donc, nous allons marcher, nous y rendre avec Brice, notre ami Brice qui est encore une fois parmi nous ce soir pour l'épisode 5. Donc il va falloir qu'on fasse très attention où on met les pieds. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sapinous. Des petits sapins qu'ils ont remis en route. Tu peux éclairer un peu, Brice, s'il te plaît? Tu peux éclairer? Donc voilà, vous voyez, ces genres de sapins qu'ils ont mis pour le chemin. Et donc, ouh. Alors ça, allez, c'est parti. Et c'est parti pour l'antre du paranormal dans le cimetière des Pestiférés. Encore une fois, on est dans un endroit forestier, donc on ne va pas se laisser gruger, hein, parce que naturellement, les endroits forestiers, qui dit forestier, dit animaux. Donc, vous savez très bien qu'on ne cherche pas non plus à essayer de faire croire qu'il y a du paranormal ou on ne sait quoi. Donc, on va essayer de démêler le vrai du faux et d'arriver dans ce lieu où il y a eu beaucoup de personnes mortes de la peste à cette époque en 1630. Voilà.
Donc je suis toujours avec mon ami Brice qui est derrière moi, encore une fois. Voilà. Et nous sommes dans une forêt plutôt chargée, à vrai dire. Donc, on a 200 mètres à faire à pied, hein. Ce qui n'est pas très long, mais en même temps, ça peut être très long. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous ayez des bonnes images, le son qui va avec. En tout cas, nous en maximum. Je peux vous dire que c'est un endroit plutôt chargé. Ça va, Brice? J'ai l'impression d'être suivi derrière, je ne sais pas pourquoi. Ben, depuis tout à l'heure, en fait, depuis qu'on est arrivé, on a des drôles de sons et c'est assez compliqué, mais on continue. On a entendu des gros booms, on n'a pas pu les filmer tout de suite. On ne sait pas d'où ça vient. Et pareil, on a des drôles de visions. Donc, comme vous pouvez le constater, on est dans une allée plutôt remplie de et très, très, très accessible. Hein. Oh, pardon, excuse-moi. T'as entendu le bruit? Ouais, juste là. Excusez-moi pour... C'est une bestiole, peut-être. Ouais. Mais c'est sur le coup, j'ai... Donc, on vient d'être surpris, et je le comprends. C'est avec moi. Parce qu'on est en plein dans la forêt, et c'est vrai que... Mais je pense que c'était une bestiole. J'ai entendu le bruit, pareil. C'est ce que je vais faire, Brice. Je suis en train de filmer le lieu. Et à mon avis, les gens, aujourd'hui, il y a du lourd. Écoutez. Alors l'air est en train de changer carrément. Le temps pareil, il y a de l'air, il y a du vent, alors qu'il faisait très beau, il faisait bon. Je vous rappelle qu'on est en début septembre. Il y a des bruits bizarres. Déjà, on a fait à peine 50 mètres qu'on a déjà des trucs de fou. Donc, on va essayer de vous partager un petit peu tout ça. Et, on va aller vraiment au cœur de la chose. C'était quoi ça? On a eu des trucs, on vient d'entendre encore un bruit. Et ça n'arrête pas depuis qu'on est arrivé. Donc on va continuer, on va quand même aller au cimetière. Ouais. Donc on est encore pas arrivé. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une entité parmi nous, s'il vous plaît? N'ayez crainte, on est juste là pour un reportage. Donc on est... venu amicalement. Je suis avec mon ami Brice, on est en train de faire un tournage pour l'Antre du Paranormal. Et on aimerait savoir si éventuellement il y aurait une entité parmi nous. J'ai entendu quelque chose. On aimerait savoir si éventuellement il y aurait une entité morte de la peste ici. Et je pense qu'il y en a plusieurs, mais y a-t-il quelqu'un ici dans cet endroit qui est resté coincé dans les limbes? Et ce personnage qui serait resté coincé, nous aimerions savoir pourquoi, la raison. Et pourquoi hantez-vous ce lieu?
panneau, c'est bien qu'il y ait le cimetière de 1632. Et après, c'est plutôt une forêt. Je sais pas si on va peut-être s'y aventurer quand même. Hein ? Je pense qu'on va rester dans cette zone-là déjà. Pas qu'on aille se perdre, surtout. Faut pas trop loin, Steph. Steph, j'ai un truc derrière moi qui me suit. J'ai entendu des bruits de pas juste derrière moi. Ah bon? Ouais. De toute façon, on peut pas aller plus loin, de toute façon, il y a des arbres. Le chemin s'arrête. Donc on peut toujours. On va remonter le chemin. Ouais, je pense qu'on va rester vers la zone des pierres tombales. Donc, comme je vous le disais, on doit certainement marcher sur des. Des restes de corps. Des sortes de tombes, si on peut dire un peu, du temps de la peste. Donc c'est plutôt des endroits où le brûlait, je crois, où il mettait de la chaux, non? Ouais, dans des charniers, c'est ce que je disais, des grosses fosses en fait. Putain. Ouais, j'ai entendu. Y a-t-il quelqu'un de présent ici? Wow. Oh, c'est une bestiole. Hein. Oui, ça se peut. Ouais, ça. Donc voilà, on est en train de former dans la forêt. Donc c'est si pas, hein, nous on n'est pas là pour vous faire croire je ne sais quoi. Encore une fois, ce que vous voyez, c'est de l'authentique. Nous on n'est pas là pour faire croire que. Encore une fois. Donc, en tout cas, cet endroit est hyper chargé. Et quand on sait ce qui s'est passé ici, encore une fois, c'est un endroit de pestiféré. Donc, vous savez. Wow! Ça, c'était pas assez. On nous a balancé quelque chose. Là-bas. C'est faux. Qui est là? Y a-t-il quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Ne nous craignez pas. Là, on est dans le détour. Wow! Qui êtes-vous? L'air est plus froid là, d'un coup. T'as vu ça comme ça change? Oui. D'un seul coup, on a le. On a vraiment le climat qui change. Donc avec Brice, on est vraiment au milieu. On a vraiment le climat qui change. On nous a balancé quelque chose. Et on a entendu un truc tomber. On ne sait pas d'où ça vient, mais. Et en demandant si. C'est du fond. Et t'as vu ce délire, ça souffle et tout. Et t'as vu, on dirait vraiment, ça devient glauque quoi. Donc encore une fois, on est dans la forêt, donc on va pas s'exciter. On est pas. Je viens de voir quelque chose de blanc passer vers là-bas. Là-bas. Derrière la tombe. Là-bas. Il y a quelque chose de blanc qui est passé. Et s'il y a quelque chose de blanc, ça peut être filmé.
si on reste un peu tranquille ici. Franchement, ouais. T'as ton K2? Ah, ouais, j'ai tout. Alors écoutez, c'est vrai que c'est pas dans notre... Ça fait deux fois. Il y a quelque chose. Je te le dis, quelque chose. Il y a plusieurs présences. Alors j'espère que vous pourrez le voir en image. Là. Moi je pense, c'est quoi? Je crois qu'on va éteindre et on va garder le... Non, tu vas allumer l'UV. Et j'ai envie d'éteindre et qu'on reste tranquille, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que ça vaut le coup. Qu'est-ce que t'en penses, Brice? Ouais. Par contre, c'est un arbre. Si tu vas vers la croix. Justement, mais j'ai peur de me faire caillasser. Et là, tu vois, j'étais là, il n'y a pas de branche. Il n'y a rien ici. Mais non. Oh! Je me casse. Oh, putain, t'as entendu ce truc de malade? Oui, puis là, on est enregistré, mais moi, je me casse. Non. Je me casse. Si vous venez d'entendre, on est filmé. Là, on a eu un bruit de un phénomène de taré. C'est ça qu'on a eu tout à l'heure. Et tout à l'heure, écoutez, et tout à l'heure, on a eu le même phénomène. On a dû se barrer. Et c'était beaucoup plus près. Malheureusement, le micro ne fonctionnait pas et c'était beaucoup plus près de nous. Et là, on a eu un truc. Vous avez entendu? On aurait dit un arbre qui s'effondre. Vraiment un truc de fou. Et on a eu juste ici à cet endroit-là. Pratiquement la même chose. À cet endroit, ça a claqué vraiment près de nous. Je suis pas bien. Chut. Il est où le K2? Il y a quoi? Il n'y a rien. Alors vous pouvez constater sur le K2. Vous pouvez constater sur le K2 qu'il ne bouge pas. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est ça le truc. Rien. Pardon. Il n'y a rien sur le K2. Pas le moindre lumière qui s'allume. Et pourtant, chut, ça marche. On entendait pas marcher près de nous. Et c'est toujours au même endroit. Ici. Il y a un endroit où il y a la croix. Vous voyez? Ici. Donc on est bien au cimetière des pestiférés. On est au cimetière des pestiférés. Ouais. Et on a des putains de drôles de bruit. Ah! C'est quoi ça? Je t'ai dit, on s'est vu dans la caméra. J'ai vu comme une tête. C'est ma lumière? Non, non. C'est ma lumière, j'ai vu. Ça marche au fond. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui est là? T'as entendu là-bas? T'as entendu, police ou quoi? Oui, j'ai entendu derrière toi surtout. Je te jure qu'il va nous arriver quelque chose, je le sens. J'ai chaud. J'ai envie de partir, je te jure. Je me sens vraiment mal. Putain. Je te jure, ça vient vers nous. Reste. Filme bien. Oh, faut gérer, faut couper. Regarde ton cadeau. Approche-le par le bras, peut-être. Ouais, ben, j'ai pas envie de me faire caisser, moi. Je vous explique même pas, on est vraiment dans un endroit de pestiféré et on a... On va regarder plus loin. Non. Là, plus loin. Non, moi je bouge pas moi. Pourquoi? Parce que je sens pas.
Je sens vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'ai un putain de ressenti, j'aime pas ça. Viens, regarde bien le chemin. Je t'attends là, au pire. Prise, putain. Mais tu te rappelles à chaque fois qu'il se passe quelque chose? Prise. Non, moi je sais pas. Je te jure, je veux pas dans le chemin, moi. Vous êtes qui? Oh animal, non. Là. Non, non. Si. Qui êtes-vous? Là. Oh, t'entends? T'as entendu? Écoutez, je m'appelle Seth Spirou, mon ami c'est Brice. On est ici en recueillement. On est là pour un reportage. Ne nous craignez pas. Ça nous tourne autour. Ça joue avec nous. Oh putain! Ah non, là c'est bon! Casse-toi! Putain! Et vous avez entendu? C'est un truc de malade! C'est un truc de fou! On vient de dire putain! Aïe! Je vais péter la gueule! Vite, vite, vite! Oh, oh putain! Putain, c'est quoi ce bordel? Non, on se fait attaquer! Comment je peux pas courir? La bagnole, putain, elle va trop loin! Une bagnole, non, c'est une bagnole. Putain, je peux pas courir plus vite. Cours, je peux pas. Mais cours, t'es fou, toi. Vite, toi. Non, je peux pas. Viens. Je me bats. Vas-y, viens. Je peux pas courir. Vas-y, viens. J'ai un point de côté, je peux pas. Viens. Je peux pas. Respire. Vas-y, dépêche-toi. Je peux pas, je suis en train de crever. Allez, mène-toi. Viens, on se casse vite. Je peux pas. Putain. On arrive au bout, de toute façon. C'est quoi, ça? Je te Ne nous suivez pas! Ne nous suivez pas, s'il vous plaît! Ça joue pas! Non, non, c'est bon, ça va! C'est bon, il y arrive! Non, non, c'est pas! C'est pas rien! Il y en a quoi! Les craques, je suis sur ces murs. Ah oui. Wow. C'est peut-être pas paranormal. C'est peut-être. Bon. Je fais. Paris. J'ai envie de dégueuler. Ah, je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou qu'on a conçu une étape. On arrive à la voiture, on se bat. Pourtant, le cadeau ne donnait rien. Et là, franchement. Je sais pas ici. Ouais, on se casse. On se casse ici. Ah, excusez-nous, on a été obligé de s'arrêter sur le bord de la route pour effectuer une prière, parce que ben là on se sent suivi, ça va pas du tout. Et on n'est pas très loin de l'endroit où on a eu ce souci. Donc on est au bord de route avec Brice, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le verrez, mais on est vraiment au bord de la route, je me suis même arrêté limite sur la route. On se sent pas terrible, on préfère vous prévenir, donc bon ben voilà, j'espère que tout ira bien par la suite. Oh putain, tu m'as fait flipper. Et franchement, je suis tellement dans la flip, la moindre truc là, ça me fait flipper. Je vous le dis, honnêtement, je sais pas comment vous expliquer l'état où on est. C'est hyper compliqué. Donc, écoutez, on va se faire une prière pour pouvoir rentrer paisiblement. Et encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, c'est l'entrée du paranormal. A plus. A plus.